c'est Mégoël. Daniel Diouf, comment allez-vous? Sale journée, mais enfin allez, hein. Sale journée, que vous étiez arrivé? Ah, il y a un méga qui est mort cet après-midi d'un cancer. Ah. Toutes mes condoléances. Merci, monsieur Mégoël. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Pas particulièrement, vous savez. Ça allait, ça bosse. Et se faire foutre. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des soucis avec les ballons Van Bitten. Ah ouais, putain, apparemment ils ont quebré un hélico des médecins là. Il me semble que les ballons Van Bitten aient évacué un hélicoptère des médecins. Ouais, c'est ça, ouais. Il est aussi menacé de mort un médecin. Ah ouais. Ce que je trouve très triste, c'est que les médecins sont mes amis. Ah bah les médecins sont tous nos amis. Hein, et que les personnes qui menacent de mort, mes amis. Je sais pas si on va voir les ballons Van Bitten. Ah bah ça, je me doute bien. J'avais entendu dire qu'il était arrivé des galères là récemment. Je vais trouver lui et ses amis. Ouais, pas de problème, vous savez, hein. J'aime pas quand on touche à des amis à moi, c'est compliqué. Vous savez, c'est comme les liens de la famille. Mais vous savez ça, Seigneur Diouf. Ah ben complètement. Je vous souhaite tout à fait vos actes. En tout cas, encore une fois, toutes mes condoléances, Seigneur Diouf. Merci, monsieur Mégoué. Bonne soirée. De même. Mademoiselle la directrice adjointe, Franck, mon ami, je vous souhaite une bonne soirée aussi. À vous aussi. Bonne soirée. Sinon, vous allez tous vomir. Seigneur Vigo. Monsieur Miguel. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va. Ça vous dérange pas? Non, vous ne dérangez pas. J'aurais une petite, dites-moi, très légère commande à passer. Une commande. Quelques munitions de Uzi. Pas grand-chose, mais... Combien vous voulez des munitions? On va vous prendre deux boîtes pour ce soir. Deux fois. C'est possible? 10 munitions de Uzi, si c'est possible. On paye en salle ou en pop? On va payer en propre. Et j'aurais également quelques petites choses à vous dire. Pas de soucis, livraison. Livraison à quel endroit? Vous pouvez venir chez nous, nous venons chez vous. On peut venir chez vous, il n'y a pas de soucis au niveau de la banque. Au niveau de la banque, tout à fait. Pas de soucis. On vous livre ça d'ici une demi-heure pour 22h30, à peu près 35 et chez vous. Parfait. Écoutez, à plus tard, monsieur Miguel. À tout à l'heure. Je n'ai même pas dit combien ça va lui coûter. Quelqu'un me fait une devine. C'est qui vient là? Le keuf. Sérigraphie en plus. Et bonsoir, messieurs. Seigneur Rousseau, j'imagine. Oui, je suis Rousseau, c'est ça. Vous savez qui je suis, Seigneur Rousseau? Je m'en doute, ouais. Je m'en doute. Dites-le. Vous êtes Charles Collins ou Miguel, je sais pas comment vous préférez qu'on vous appelle. Bien, pas, ça change pas qui je suis. Vous me dites, monsieur Rousseau, que vous êtes le propriétaire d'une Incomoda? C'est ça, ouais. C'est exact. C'est exact. Et que nous vous avons fait une proposition pour l'acheter, que vous avez cordialement refusé. C'est ça, ouais. Je vous explique mon point de vue. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. La seule chose, c'est que je vous dis, pour un souci, vous ne souhaitez pas la vendre, vous ne la vendez pas. Vous ne devez pas vous emmener dans les déserts pour une voiture. Cependant, ne nous faites pas une proposition, vous foutez de notre gueule. Écoutez, moi je vous ai simplement dit, je vous propose tant, je peux descendre jusqu'à 450 000, point. Après vous acceptez, vous n'acceptez pas, ce n'est pas que je me fous de vous. Vous la voulez, vous m'avez dit clairement que vous la voulez. Moi je vous dis à quelles conditions je vous la donne. Je comprends votre point de vue, hein. Je le comprends largement. Il y a deux jours, c'était un contrôle des routines. Il y avait les shérifs et il y avait... son petit cochon. Je lui parlais et il ne voulait pas entendre raison. Je lui disais qu'on n'était pas obligé d'être d'accord, mais qu'il n'était pas obligé d'être grossier. Le petit cochon. On est d'accord. Seigneur Rousseau. Je vous écoute. Ça fait maintenant 4 fois que vous me coupez. Quand vous parlez, je vous écoute. Ne soyez pas grossier. Les petits cochons du BCSO,
qui était grossier tout comme vous. Je l'ai averti. J'ai dit la prochaine fois que vous êtes grossier comme ça, je descends dans mon véhicule, je sors mon couteau, je vous plante les couteaux et je ouvre jusqu'à la glotte. Il a rigolé et m'a coupé. Il était grossier. Je suis donc descendu de mon véhicule avec les shérifs qui regardaient deux autres unités. Puis j'ai sorti mon couteau et j'ai planté les petits cochons jusqu'à la glotte. Le shérif a mis la main sur son arme, tout comme votre collègue là-bas. J'ai couru vers le shérif et j'ai planté mon couteau et j'ai ouvert jusqu'à la grotte. À partir de là, une jeune recrue comme le véhicule à vogue est juste en dessous est monté. A sorti son arme de service et a bégayé. Posez votre arme. Mes hommes la tenaient en joue. Dites calmez-vous, gamin, pose ce pistolet. Tu vas avoir un problème. Il ne l'a pas posé. J'ai sorti mon arme et j'ai mis un coup. De 9 mm dans sa gorge. À l'école, Seigneur Rousseau vous apprend l'histoire des trois petits cochons, celui qui souffle. Mon histoire des trois petits cochons, c'est que les personnes qui s'est foutées de moi, qui s'est foutées de la mano, ou qui sont grossiers, on fait de la charcuterie. Maintenant, vendez ou ne vendez pas votre véhicule. Mais ne soyez pas grossier dans les propositions, dans la manière dont vous vous comportez, Seigneur Rousseau. Loin de moi, t'es dans l'idée de me foutre de vous. Vous me demandez mon véhicule, je vous explique simplement à quel prix je vous le donne. Je comprends votre point de vue, je vous l'ai dit. Je ne souhaitais pas être grossier avec vous en vous coupant la parole. Voilà. Maintenant, vous le prenez comme ça. C'est bien dommage. Je vous le dis, du coup, je ne vendrai pas mon véhicule. Ne le vendez pas. Avec la proposition que vous me faites, non. C'est pas un souci. Je vous invite à les faire réviser souvent. Les commodas sont des véhicules qui prennent feu et explosent souvent. Passez à les faire réviser au bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée, Seigneur Rousseau. Faites attention sur la route. Bonne soirée à vous. Laissons faire le temps. Et... Ah, et ben, Diouf, il veut 100 tenues asmat. Hein? Qu'est-ce qu'il veut faire avec? Diouf, il veut 100 tenues asmat. Je demande s'il veut des gilets pare-balles avec. J'ai peut-être une autre bonne nouvelle. Ah. Souhaitez-vous des gilets pare-balles? Y'a mon gars, y'a 20 secondes. Ils sont jetables, dit, ah, peut-être qu'il aura aussi des gilets pare-balles. Je fais comme toi, gros, c'est pas une épicerie, ce Miguel. Vous savez, Seigneur Diouf. Oh putain, vous êtes fort. La Mano Compagnie. Là, vous êtes fort. Hein. C'est une société proche de ses clients. Ah ouais. Vous pensez, j'y ai pas le bal, on est coup sur l'instant pour vous. Ah, c'est. Là, c'est franchement, là, c'est... vous pouvez pas faire plus vif. Donc, vous voulez commander 100 tenues Asmat. Ouais. D'accord. Et les GD, ça coûte combien? 20 000 les 10. Et c'est pareil, c'est du consommable? Oui. Ok. 20 000 les 10. Pour les 100 tenues Asmat, c'est 50 000. Moi, je vous en prends 100 aussi. 100 gilets pare-balles, bah, ouais, peut-être ça fait beaucoup déjà. Et peut-être vous voulez savoir combien ça pèse avant nous. Ah ouais, peut-être, c'est bon. J'en ai aucune idée. Ok, on va peut-être en prendre 20 pour commencer alors. Donc 20 gilets pare-balles. Pour les 100 tenues Asmat, ça fait 50 000 $. Ça marche. D'accord, et pour les 20 gilets pare-balles, ça fait 40 000. Ok, ça marche. Ça. Et on peut avoir aussi 5 petites machettes avec. Alors, je vais 5 machettes. Ok, et ça, et je vais vous dire tout de suite. Et rajoutez, tiens, mon gars, j'ai aussi 20 changeants de bousier, s'il vous plaît. On est à 4 et 5, 9, 10, 130 000 dollars, Seigneur Diouf. 130 000? Oui. Formidable. Est-ce que vous voulez qu'on arrondisse ou on est bon? Oh, c'est, on est on commence bon. Comme ça. Je vous prépare votre commande pour minuit. Ok, ça marche. Allez, je vous prépare tout ça. Bah, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Et bah voilà, et bah, c'est les boulots qui repartent. Et donc, d'abord, on doit livrer 20 chargeurs des Uzi à. Comment ça s'appelle? À Vigo. On va faire deux équipes. Et. Où est-ce qu'on lui met aussi un coup de pression par principe? Oui. Allez, on va chez Vigo avec 20. Seigneur Vigo. Monsieur, c'est Miguel, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il était grave, on brûle au troisième degré, tout va bien. Brûle au troisième degré? Exactement. Oh, je vais également. Parler de quelque chose, monsieur Miguel. Dites-moi. Je sais que vous êtes à cheval sur certains principes. Le respect, notamment.
et le bon ordre des affaires. Vous voulez vous mettre en garde sur l'un de vos partenaires. Il se peut que ce dernier ait fait quelques erreurs et attire les foudres du Big Boss en ville dans les prochains jours. Monsieur Diouf et ses amis ont eu pour brillante idée de mettre sur leur champ des hommes qui ont balancé des informations aux flics. Des informations qui ont fait que d'une part, lundi nous avons perdu un premier champ et hier un second. Il y a quelques heures, je suis sorti de 9h de Fédé. Et par ce message que je souhaite vous partager, je veux juste attirer votre attention. Faire attention que vos affaires ne s'ébruitent pas. S'il venait à tomber dans de mauvaises oreilles. Qui a bavé auprès de la police? Certains membres des Reapers, au moins un, s'est déjà pris 2 balles et s'est fait brûler. Je pensais qu'ils avaient compris leur leçon, mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Mais il se peut également que le Big Boss vienne en ville prochainement. Et c'est jamais bon pour qui que ce soit. Je souhaitais vous prévenir. J'ai pris note de ce que vous m'avez indiqué. Merci à vous, Seigneur Vigo. Et je vous souhaite une bonne soirée. Vous également, Monsieur Miguel. Bah, on a une commande à passer, Gégel, cette histoire des Reapers après. De toute façon, faut juste que je m'assure au pire que Diouf ait suffisamment envie de foutre sur la gueule aux Reapers pour que les Reapers veuillent foutre sur la gueule à Diouf. Et que Diouf achète son armement uniquement chez moi. Au début, j'ai cru que Vigo allait nous demander d'arrêter de traiter avec l'UVR. Ah, moi j'ai cru qu'il allait dire c'est mon costard, tu l'enlèves. Et je me suis dit putain, demande-moi ça quand il gole. Oui, Jeanne. Oui, j'ai Henri Devers qui m'a rappelé. Pendant ton absence, on s'est inscrit à un pool fight. Et on s'était inscrit, le SWAT avait interrompu l'affaire. Il y avait juste avant mon combat. J'étais inscrite. Et je voulais savoir, du coup, si vendredi soir, on était occupé ou pas. Et donc demain soir, non, c'est bon, on est disponible. Donc c'est demain soir les choses. Ouais. On y a, c'est pas un souci. Et c'est toi qui leur fous sur la gueule à ces petits bâtards. Je vais y arriver. Normalement, oui. Ah, c'est toi qui finis sur le brancard. C'est bon, ça. Non, mais il faut que tu les exploses la gueule. Et on s'en là, Jal, mano. Et de l'ennemi, c'est Jaja la Colosse. Jaja la Colosse, mais impeccable. Ouais, bon, on s'en là tous ce demain soir derrière toi. Ça marche. Ok. Allez, merci, pas les soucis. Demain soir, il y a Jade qui... Ah, ah bon, c'est plus loin dans la ruelle. La ruelle qui est là-bas au milieu, là. Et bonjour, monsieur. Il n'y a plus que des machettes et un gilet pare-balles. Bonsoir. Seigneur Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Impeccable. Ben là, comme ça. Et oui, j'en ai plusieurs couleurs. Ça permet de changer selon l'humeur. Celui-là, il est élevé au business. Ah. Oh. Et est-ce à 60 tenues à ce matin, vous livrer demain dans la journée. Je okay, pense à une fin de journée. Pas de problème. Je crois que d'ailleurs, il y a un combat qui est organisé demain. Ouais, normalement, demain soir, ouais. Notre colosse va sûrement tous vous exploser, mais... Ah, la pauvre, ça, elle ne sait pas se retenir. C'est quoi, Dédico? Va voir, hein. Allez, speedy. Il y a des combattants assez variés. Pas de soucis. Contact. Bon courage à vous. À demain. Même ce Miguel. J'allais oublier. Oui. Et il semblerait, d'après ce que mon petit oiseau m'a dit, oui, qu'il y a des gens que vous aviez mandatés sur apparemment de la récolte et une champ que vous avez qui est à vous. Mm-hmm. Serait du personnel qui a une forte tendance à blablater à la police. Encore? Et on oui, avait déjà encore été mis au courant de quelque chose comme ça et on avait brûlé vif un de leurs gars. Il semblerait que... Alors on fait pas un tour au Bénis hein, au cas où... Vous avez actuellement 2 champs connus par la police d'après ce qu'on me dit. Ouais, ça on est au courant, ouais. Et que... à chaque champ, il s'agit des mêmes poucaves. Ah ouais? D'après ce qu'on me dit... Okay. Ça venait des Reapers.
Bon, on va nettoyer alors, si ça n'a pas été bien fait. Moi, personnellement, je m'en fous, ça ne touche pas à mon business, mais... Comme vous êtes un bon client, je vous donne cette information qui... me semble fiable à plus ou moins 95%, qui, bon... Bien entendu, si jamais vous avez besoin de commander des armements, nous sommes disponibles, comme d'habitude. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, Seigneur Douf, bon nettoyage. Merci beaucoup, M. Miguel. Très bonne soirée de même. Je sais pas. Et bonsoir, faut y aller, allez-y. Plus de place. Ouais, on peut s'en fabriquer. Mais attends, là, c'est bien au milieu. Et bonsoir, messieurs, dames, bienvenue au vignoble. Et alors, Miguel, bonsoir, comment merci. Allez-vous? Bonsoir, monsieur. Bah, très bien, et vous-même, monsieur Miguel? Écoutez, ça va plutôt bien. Vous êtes changé, ça vous va bien? C'est ma tenue de cérémonie. J'amène ma colosse. Comment vont les affaires, Seigneur Miguel? Oh, ça se passe très bien, très bien. Et vous, de votre côté, les affaires roulent également? Vous savez, quand les affaires ne vont pas, je suis obligé de m'en mêler. Mais après, tout s'est passé. C'est jamais bon quand on doit se mêler des affaires. Exactement. Je vous invite à vous diriger vers les inscriptions et les EMS. Merci. Bonjour, monsieur. Plaisir de vous voir. Oh, là, j'ai toujours une doute. Vu que vous passez votre temps, Seigneur Diouf, avec ses... Je me dis qu'à la voix, c'est peut-être vous, c'est surtout le avec les cheveux que je vous reconnais. Hein. Ah, quand même, hein. J'essaye, mais vous avez une masque, c'est pas forcément facile de vous reconnaître. C'est vrai, vous... Très bonne réflexion. Très bonne réflexion. Yo, mec. C'est des choses qui arrivent. Oui. Bon, dites-nous, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, nous, on distribue des joints et des petits verres de rhum à tout le monde. On organisait tout à l'heure une minute de oui dans l'honneur de Zamal, qui nous a quittés hier. Ah, toutes mes condoléances encore. Merci. Hein. Et, du coup, voilà, on va faire un petit passage en son honneur. D'ailleurs, il y a un Noga là qui a écrit une musique en son honneur que l'on peut écouter, y a pas de problème. Et quoi d'autre? Sinon, écoutez, le combat va bien s'organiser. Il est possible d'aller sur le toit. S'il y en a qui veulent combattre, je crois qu'il y a encore des places, mais je suis pas sûr. Et sinon, on souhaite à tout le monde de passer une agréable soirée. Ça risque d'être incroyable. Je commence à faire le tour. Mon colosse était déjà inscrit, donc c'est pas un souci. Oui. Alors, fais trembler plus d'un. Hein. Je sais, c'est normal. Et surtout, elle tient à une chose. Non, merci. C'est pouvoir garder les talons. Ok, ça marche. Merci. Ça marche. Comme ça, quand son adversaire est à terre, elle peut mettre un coup de talon dans sa gueule de merde. C'est comme ça qu'elle dit, je ne sais pas. C'est les jeunes, vous savez, seigneur. Ça va être spectaculaire, hein, parce qu'en plus, ça va se passer dans la petite piscine qui est de l'autre côté, là. Ah, ouais. T'as vu ça, déjà, j'avais dit, une non-piscine, poule, c'est piscine. Il faut vraiment que... Pool fight dans la piscine. Voilà. Pas de soucis. Bon, on va approcher directement derrière, c'est ça? Ouais, c'est ça, vous pouvez aller voir directement derrière. Tout est ouvert, on a fait la location, le vignoble nous appartient. Bah, pas les soucis. Allons-y, on va aller visiter ça, il y a un jour en passant. Merci, bonne soirée, Seigneur Diouf. Attendez, monsieur Miguel, votre joint. Monsieur Diouf, bonsoir. Ah non, pas des joints, vraiment. Non, pas de joints, ça marche. C'est gentil. Un verre de rhum? Un verre de rhum, allez, avec plaisir, allez. Allez. C'est pas lui que vous me disiez qui était éloquent, c'est pas celui des Black Cat, lui? Oui. C'est René des Black Cat. Ça veut dire qu'il est aussi très proche des verres. Bon, allons voir nos anciens Kuruma. Impeccable, Simon. Peut-être dans le sens de lui. Vous verrez comme des pieds par contre. Forcément bloquer les deux autres. J'ai envie de te frapper ma gueule. Oh là. Oh c'est bon. Bonjour, t'es un animal, t'as une gueule. Un jaune c'est pas mal. Une belle couleur. Oh, ça fait un peu jaune moutarde, je trouve que c'est pas assez jaune. Ouais, c'est un jaune moutarde, mais bon après. C'est ça qui est un peu dommage. Je prends les couleurs du styliste quoi. Peut-être une couleur des jaunes LGB. Pas sûr. À tester. Ah, c'est vrai. Bon courage pour les matchs. Merci. Merci. On va aller voir derrière. Une minute. Ah, Seigneur Balasse. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bien, merci vous. Plutôt bien. J'ai un message sympathique des marshals et de la police qui ont passé du temps à me casser les couilles. Parce que probablement, ils me disent que les balas amènent la police directement dans les quartiers, chez eux, ailleurs, et que c'est compliqué. J'ai cru comprendre que vous avez géré ça directement avec Pablo.
Ouais, je l'ai eu au téléphone, c'était hier, je pense. J'espère que ce n'est pas pour durer. Non, bien sûr, bien sûr. De toute façon, il nous a dit ce qu'on risquait si jamais ça se reproduisait. Et... Je lui ai dit qu'on fera au mieux pour qu'on n'en arrive pas là. Vous n'avez pas l'air convaincu. Ah si. C'est juste que, vu que nos activités sont essentiellement basées sur les cases pour le moment, il faut qu'on voie des itinéraires, etc. Mais on va faire en fonction. Rappelez-vous qu'à l'époque, je vous ai tendu la main. Si vous aviez pris cette main, vous ne viviez pas des petits casses actuellement. Vous auriez seulement l'un des business que vous voyez aujourd'hui derrière, des hommes qui sont là et qui prospèrent. Peut-être que ça vous fait réfléchir sur le fait de ne pas vouloir prendre les mains qu'on vous tend. Mais c'est une autre histoire. Je vous souhaite un bon match. Merci beaucoup. La combattante chez vous aussi. Hein. Pas besoin des chances. Je choisis ma table et maintenant, c'est important. C'est bien ici, non? Ouais. À l'abri du soleil et des regards. Mais oui, c'est bien. Comme ça, je peux voir en plus les combats au plus près. Bonjour messieurs. Du coup, on va commencer, je pense, aux alentours de 21h. Si, dans 10 minutes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On attend les petits derniers là. On va faire l'hommage à Zamal. Un petit entracte musical et on commencera par les hostilités directement. Bon, oh, bah, je vais pisser, moi. Ah, tu peux y aller. On n'a pas vu quand on paye, ils ont pas été invités. Bah quoi, si, mais comme d'hab, ils viennent jamais aux soirées. Kim, comment ça va? Ouais, ça va toi? Si, ça va bien, je te vois pas à la soirée. Bah de quelle soirée? De quoi on parle là? Comment on m'a pas invité, ouais? T'as pas été invité? Bah non, t'as pas été invité. Une soirée des fights dans la piscine, y'a tout le monde. Bah t'es super. Ah oui, mais c'est les verres. Peut-être pas t'étais moi ou t'étais un problème de communication en interne, t'es moi peut-être, ouais, mais bon, t'es pas invité, ouais. Et je sais pas, il y a tout le monde, je vois les lost, je vois les verts, je vois les jaunes, je vois les violets. Bah écoute, t'as rien du tout de voir qu'il y a du monde, t'es moi qui a reçu une invitation éventuellement, mais moi d'ailleurs. Je vais demander à ceux qui sont un peu dans le fond s'ils m'entendent pas. Ah, t'es peut-être pour ça, ouais. Mais tu t'entends pas avec les verts. C'est préférable. Est-ce que tout le monde m'entend? T'es en froid, mais t'es pas tout compris pourquoi. Kenzo, c'est bon. C'est bon au fond. Je te laisse voir ça avec les verts. Moi, les combats commencent. Je te laisse, Kim, à bientôt. C'est la troisième édition du pool fighting. Je t'attends plus, il y a l'autre qui parle, je comprends pas. Ils sont responsables. À tout de suite. Je vais rappeler déjà la première qui sera celle des EMS. Les combattants seront tous relevés, mais seuls les gagnants seront soignés. Les autres blessés devront aller à l'hôpital. Ce soir, il y aura des combats de 3 participants par 3 participants, comme vous l'avez vu lors de l'édition précédente. Mais avant de commencer ce grand tournoi, nous allons tous faire un hommage à notre frère vert disparu hier, des suites de son cancer, Damian Zamal Lemar. Et si on n'a pas envie. On vous a tous fourni un petit joint. Et avant de commencer ce grand tournoi, nous allons faire une minute de weed dans son honneur. Merci à vous d'être là. Vous pouvez allumer votre joint. Écraser sa merde par terre en question, je me sens. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Buck qui va vous expliquer un peu le déroulement de ce tournoi qui a été pensé et organisé à la base par Zamal. J'espère que tout se passera bien et que le spectacle sera au rendez-vous. Buck, c'est à toi. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir.
je me présente, si vous ne me connaissez pas, je suis Bug, je suis le père fracasse, et vous êtes ce soir à mon pit fight, et nous allons donc nous battre. Alors pas tous ensemble, hein, pas tous en même temps, on fait ça dans les règles de l'art. Tout d'abord, je vais vous rappeler les règles essentielles au bon déroulement des combats. Alors, il y a des règles basiques qui seront celles énumérées ci-dessous. Les combats se déroulent par trois personnes. Autre chose, avant les combats, nous aurons le droit à un petit concert que je vais laisser annoncer par mon collègue qui va vous faire ça tout de suite. Alors dans l'édition précédente, vous avez tous fait la connaissance d'un petit rappeur qui commençait tout juste, aka Kenny Bennett. Kenny a écrit un son en l'honneur de Zamal qui voulait interpréter ce soir. Ce sera donc notre première écoute à tous et il va nous montrer un petit peu cette œuvre. Du coup Kenny, on te laisse envoyer le son. Ça marche. D'abord, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Et puis, je crois qu'aujourd'hui il pleut. Résonnera comme jamais, ah jamais dans la rue, dans Forum Drive, vent murmurer. Ouais, merci Kenny, c'était magnifique, putain. Je vais demander à Tommy, Ken et Neil de s'approcher de la piscine. Pourquoi c'est se pas situe un compte, hein. Ici. Vous oui, allez combattre dans ce carré de ce rectangle. Je vous demanderai de faire ça bien. Merci. Let's get ready to rumble fight. Tu es au bout de tes Noël. De quoi tu vas après, de quoi tu vas? Je suis du côté de la piscine. Ouais, de la Jésus. Je te vois, ouais. Ah si, t'es là-bas, si. Ouais. J'ai cherché, j'ai dit, putain, il est où? Bah c'est bon, vous avez pu venir. Ouais, on peut venir, hein. Mais bégable. Bon, évitez de sortir le TUZI pendant les combats. Ouais, ouais. Ne te l'as pas ton nom, peut-être, ouais. Non, c'est au cas où, je sens que t'es un peu fâché contre les verts, que ça finisse pas en carnage. Non, t'as fait des rapports en canard, n'ai pas tué les autres mais pour tuer les verts. Tu me dis là, un petit coup des rafales dans certains groupes, c'est peut-être pas bête. Ouais, t'es vrai, ouais. Tu évites juste de tirer sur la mano, c'est tout. Bonne nouvelle. Bah, la difficulté, c'est que vous êtes dans l'alignement, donc faut pas Tu préfères qu'on se mette à un autre endroit? Non, mais t'inquiète, on va. Non, c'est au cas où tu t'énerves. Bien sûr. Nous, on va te bouder, évidemment, t'énerves, t'inquiète pas. D'accord, si tu t'énerves, tu vas faire sur le côté. Nickel. Ouais, enfin, de vide le côté, ouais. Vous c'est attendiez bonne nouvelle. Ce combat depuis presque deux semaines. Oula, attends, il s'énerve, là, c'est peut-être à moi, là. Il s'énerve. Il m'énerve avec ta voix, non? Hein? Il m'énerve déjà, il parle plus longtemps, mais il m'énerve déjà. Et enfin, un nouvel arrivé. Attends, c'est à moi. Il y a dû avoir un. Oui, t'attends, nickel, les Jade, bouffe-leur le cul. Berlouf. 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 Eh bien Jade, elle est sous les extérieurs, elle est pas con. Voilà, nickel Jade, elle a tout compris. Elle est un peu stressée Jade. Les autres c'est quoi? C'est une Lost et il l'autre, est c'est à quoi ma gauche. Il fait 1m83 et 90 kilos. Il vient du purgatoire, c'est le fils illégitime de sa tante. Le plus grand braqueur en peignoir de l'histoire. L'homme au bob, le bébé obèse, Henri Pampan. Ça, il présente un de ces gars là. À ma droite. Elle fait 2m5, 160 kilos. Elle nous vient de nulle part et de Navarre. Ancienne légionnaire tireuse d'élite. Elle sera touchée là où ça fait mal, mais pas dans les couilles parce que c'est contre les règles. Il s'agit de Jade, Jaja, la colosse. Enfin, en face de moi, le baroudeur, 1m83, 97 kilos. Faites-le taire avant qu'il vous casse les oreilles et vous répète 5 fois la même chose. Avec ses poings, il s'agit de Berlouf. Berlouf va taper les verres, les fumeurs des shit là. Voilà, je t'avais dit qu'il voulait directement se taper Jade. Tiens, prends-toi ça. Ah, et tous ces deux, regarde ça. Ouais, tous les deux sont Jade. Ah, ouais, bah, c'est pas beau ça. C'est pas beau ce que vous faites, à bande de fiottes. Allez, Vlan, qu'est-ce qui t'arrive le vieux? Pouf et de un, manque les shiteux là, tiens. Les fumeurs de shit qui se demandent s'il y va pas, il se prend une bonne grosse claque dans sa gueule, une deuxième, une troisième, une quatrième, dans les cordes, la bite et les couteaux, allez, ça fait mal, ça encaisse, qu'est-ce que c'est là? Oh, bah, ils sont mis à deux sur sa gueule, le pauvre. Il y a eu un sale chien là qui est parti, non? Ah, ça va être fatal, ça va être fatal. Oh oui. Allez, encore, continue. Encore, allez. Ah, dommage. Allez, championne! Allez! Ouais, Henri! Un magnifique combat, merci de l'applaudir!
Merci d'applaudir les combattants qui ont fait un combat extraordinaire. Les garçons, c'est moi où il y a eu une sale chienne décriée. Très lourd le combat. Oh, il y a un qu'une sale chienne qui a été criée aussi. Il y a une sale chienne. Non, mais ça, ils sont mis à deux sur sa gueule. Zoul. Je me permets d'arrêter un instant. Quelqu'un a traité mon champion de sale chienne. Qui? Tout de suite. Avant que ça se passe mal. Qui a traité Jade de sale chienne? C'est moi, mais je parlais à Henri. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça parlait à Henri. Seigneur Djouf, je crois qu'il est à vous, celui-là. La personne... Faites ce qu'il y a à faire. Tout de suite. Monsieur Bigwell, je suis désolé si vous l'avez pris pour votre championne, mais c'était destiné à mon sale chien de camarade si présent là-bas. Ah! Impeccable. Oh, désolé, boss. Hein. C'est pas grave, Jade, beau combat. J'ai le droit d'approcher ou pas? Oui, vous va approcher. Oui. Occupez-vous de Jésus, mais il a l'habitude avec nous, Jésus. Ah, les gangs payent, on crie aussi pour toi, Jade. Merci d'avoir été patient pendant cette légère interruption. J'arrive deux minutes. Messieurs, il est l'heure de la deuxième demi-finale, préparez-vous. Lenny la laisse pas toute seule, sur le là au cas où. Let's get ready to rumble. Qu'il n'y ait pas de problème avec les verres par la suite. Je vais aussi. Merci Hannibal. Miguel, tu peux venir devant le... devant le vignoble ou pas? Ah, c'est bien de pouvoir finir un pitfight sans problème. Simon, tu viens avec moi. Pablo, je t'ai dit de venir. Si je te dis juste de venir, ça pue. Si je te dis viens, ça va. Venir, ça pue. Ok. Bah allez, Pablo, viens. Et bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur Miguel. Bonsoir. Jade, tu préfères l'annoncer toi-même ou je le fais? Faites-le, faites-le. J'ai tout à l'heure reçu un mail de Russie. Malheureusement, monsieur Delmas a été opéré sans succès. Il est décédé. Merci, docteur. Toutes mes condoléances, monsieur Miguel. Toutes mes condoléances. Si c'est votre souhait, on pourra faire rapatrier son corps et pour que vous procédiez à la cérémonie de votre choix. On fera ce qu'il faut. Est-ce que... Non. Attention à vous. Je pense qu'on va s'y rendre quand même. Faites attention. Ouais. Et voilà. N'est pas très respectueux de faire ça dans le dos. Ah, vous allez faire un bon combat en tout cas. C'est bon. Gentil, merci. Pour le radio là-haut. On devrait s'écarter un petit peu. Ouais. Je sais, vous, ça va partir en couille assez vite. Ouais. Mettez-vous à l'abri, monsieur Miguel. Voilà. Un premier coup de couteau, un deuxième coup de couteau, et couché. Vas-y là-haut, vas-y là-haut. Bon, on va de recevoir une belle commandement en peu de temps. En même temps, faut peut-être pas manquer des SP. Exactement. Pourquoi s'en prendre à eux? Quelle idée. Pas de chair. Pas de chair d'en haut. Saltez vos âmes. Mettez-vous à l'abri, monsieur Miguel. La première qui a des chiffres avec nous, vous la battez. Ça marche. Mettez-vous à l'abri, monsieur Miguel. Je vais faire un tir croisé. Personne n'a été touché. Qui tire sur qui là? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est caché derrière le poteau, faites gaffe au bâtard. Ouais, bah tout à l'heure on a fait le prendre. En même temps, les verts sont débiles d'avoir exposé la voiture des Campay. Mais... c'est des vendeurs d'armes, faut être con. Je crois que Campay s'est fait coucher. Par contre, je crois que je viens de créer une guerre. J'ai annoncé que ça allait partir en couille, mais j'aurais fait la même. On devrait décoller si les keufs arrivent. Ils vont arriver de toute façon. C'est sûr. Il faut qu'on aille soigner Pablo et Jade. Oui, on va y aller. Deux secondes.
Prenez le temps de savourer, laissez l'odeur du sang, c'est toujours intéressant. Mmh. Vous avez terminé? Juste question, comme ça, pour savoir. Je ne sais pas, faut leur demander bon, si non, ils ont terminé. Non, mais c'est, est-ce que c'est fini? Je passe voir tout le monde pour savoir. Justement, je passe voir tout le monde pour savoir. Les tensions, c'est normal dans les familles. Oui, pas de souci. Par contre, je vais devoir mettre fin à l'événement, messieurs. Du coup, une excellente soirée à vous et désolé pour le dérangement. Une sacrée bordel. Pour une voiture rayée, hein. Non, ah, parce qu'il y a un mec qui a eu mal à la tête, il a pas vu la bagnole de Hakim. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'en arriver là? Excusez-moi. J'ai vu la scène, ce n'est pas ni une mal de tête, ni une voiture rayée. Au cas où. Il lui a rentré dans la voiture sur à peu près 80-90 mètres, exprès à 5 ou 6 reprises. Ouais, c'était lui qui conduisait là. À 5 ou 6 reprises. Ouais, c'est le pire pilote de l'Ossanto. Mais c'est pas... C'est plus pas une question de mauvais pilote là. Bon, c'est dommage d'en arriver là, tant pis. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. Ah, bien sûr. Jade, comment tu te sens? Bien, dans la voiture, bien assis, mais ouais. Non mais de l'annonce aussi des décès des ST. Là tout de suite je préfère pas y penser. Les patrons des vignobles veulent me voir. J'aimerais recevoir un message en parallèle. Apparemment, donc LSP est parti aux RMS pour interroger les blessés, ils ont demandé au boss du vignoble de faire une déposition globale. D'ailleurs Miguel. Miguel. Vous souhaitiez me voir? Oui. Passez au bureau si ça vous dérange pas. Dans le bureau quand même, pas de soucis. Dites-moi, monsieur Miguel, qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous? Bien, en fait, vous n'avez rien à pouvoir faire pour moi, c'est plutôt moi qui vais vous parler. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu ce soir, d'avoir participé à l'événement, d'avoir proposé un candidat. Je dois vous avouer que j'avais accepté l'organisation de cet événement dans une idée de fraternité, de bonne entente, etc. Je comprends bien que vous avez souhaité défendre l'honneur d'un de vos camarades, d'une de vos camarades en l'occurrence. Cependant, monsieur Miguel, je dois vous avouer que ici présentement, nous sommes dans un lieu privé, tenu par un civil, avec des civils qui étaient présents pour participer à la soirée. Je tiens juste à vous dire, monsieur Miguel, que j'espère bien que c'était la dernière fois que ce genre de comportement se passait dans mon établissement. Je vous écoute, allez-y. Je viens de terminer, monsieur Miguel. Vous avez fini? Oui. Oui, monsieur Miguel, j'ai fini. Non, mais c'est amené de savoir, c'est sûr que vous avez fini. J'ai effectivement terminé. Pas de réaction de votre part? Vous attendez quoi comme réaction? Dites-moi. Je sais pas, peut-être le fait de comprendre ma position. Vous me donnez l'année de venir, je viens vous m'expliquer qu'on est chez vous et... Voilà, on est chez moi, on procède selon mes règles. Et que je vos règles, que c'est que c'est la dernière monde... fois, c'est la dernière fois que ce type de comportement arrive chez vous. Tout à fait, monsieur Miguel. Bien sûr. J'espère que vous concevez tout à fait ma demande. Alors je parlais plutôt des tirs de Uzi. Pablo, aurais-tu l'amabilité d'aller me chercher une petite vigneron, s'il te plaît? Merci. Je veux savoir ce que vous comptez faire, monsieur Miguel. Attendez. J'aime quand on n'entend rien. Les silences. On entend légèrement le vent s'engouffrer, si vous entendez bien. Oui, effectivement. C'est agréable. Calme, serein et reposant. Exactement. Dans ces moments-là, tout va bien. Je sais pas si je dois vous féliciter pour avoir des grosses couilles ou si je dois m'inquiéter. Pour l'essence, c'est dramatique que vous pensez avoir. Je ne suis pas un individu sympathique. Je fais preuve de business et j'essaye dans la mesure du possible de ne pas trop taper sur les gens dont j'ai pas besoin. J'essaye de maintenir un code de déontologie. Comme tout homme d'affaires, monsieur Miguel. Ce code de déontologie fait qu'aujourd'hui, dans ma ville, une personne ne manque de respect à la Manon. L'individu en question manque de respect, il est puni. Et nous ne sommes pas des gens sympathiques. Si je le désirais, les petits vignerons qui sont juste derrière, on les découpe.
Je ne suis pas quelqu'un de sympathique. Est-ce que j'ai intérêt à le découper? Non. Par contre, je ne suis pas sûr que les bonnes idées, c'est de tenter de me dire ce que je peux ou ne peux pas faire. Ce n'est pas du tout l'objectif de on est chez vous, mais vous êtes vous, dans ma ville. Si j'ai envie de planter la caravane sur votre terrain, je la plante. Je me pose et j'y vis. Si j'ai envie d'utiliser les bouteilles de vin chez vous, je le fais. Mais actuellement, j'espère voir que vous travaillez, que vous ne posez aucun problème à la mano, donc vous n'êtes pas pris à partie. En plus, l'histoire des fusillades n'est pas la nôtre. Ah mais je ne vous parle pas de ce qui s'est passé sur le parking, monsieur Miguel. Et vous parlez de quoi? Qui se passe, ça a pas l'air d'être les flics. Lorsque vous avez tiré à tout va, excusez-moi l'expression, je n'ai pas d'autres termes qui me viennent, à l'arrière pour dire de réquisitionner l'attention de l'Assemblée, monsieur Miguel. C'est de ça que je souhaitais vous discuter. Donc vous vous dites que peut-être un homme qui sort en Isie, comme on peut sortir une baguette de pain, ça a l'air d'être un cas du ministre. Faut lui dire ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. Encore une fois, ce n'était pas du tout l'objectif, monsieur Miguel. C'est pourtant ce que vous faites. Bon, il faut y avoir des vignerons de rechange. Hein. Ah, les vignerons, ça pousse les bas-côtés. Vous savez... Pour faire un exemple, monsieur Miguel, je souhaiterais que vous fassiez avec moi, pas avec mes hommes. Je n'ai pas demandé qu'on fasse un exemple pour l'instant. Pablo aime sortir sa machette. Ça donne une espèce de côté sympathique et dramatique. Vous savez, si vous avez décidé, je le sais, vous avez des amitiés, même vous êtes plutôt proche aussi bien des verts que d'autres. Et par le moment, certains similaient ça peut-être à une complicité des criminalités avec certains. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je vous l'ai dit. Il y a une règle dans ma ville. Si on chie sur la mano, alors on a des problèmes. Et je n'ai aucun problème du tout l'intention. À utiliser tous les moyens nécessaires. Je ne suis pas une personne gentille, Seigneur Miguel. Par contre, vous devez peut-être vous méfier de certaines personnes avec qui vous traînez, qui ont l'air d'être des mauvaises et des mauvais associés. Mais j'admets que vous êtes une des premières personnes que je rencontre qui a des couilles. Capable de dire les choses, mais de les nuancer à paix pour éviter de finir les couper sur les bas-côtés. Ça me plaît aussi. Si je les nuance, monsieur Miguel, c'est pour préciser ma pensée, et non pour éviter... pour éviter tout malentendu. J'essaierai de faire attention. Je vous remercie, monsieur Miguel. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne soirée, seigneur Miguel. Merci bien également. À bientôt. À bientôt, monsieur Miguel. Bah, c'est avec l'oiselle ou pas? Oiselle News, une photo. Regarde bien. Apparemment, Simon a une information comme quoi il y avait une équipe du Oiselle en civil présente lors de l'événement. Ils disaient, ouais, il y avait l'Oiselle News qui était présent. Ils ont peut-être d'autres infos. J'ai pas réussi à avoir plus de détails que ça. Ah, monsieur Miguel. Seigneur Diouf, il semblerait que les journalistes de Weasel News aient tout un tas de clichés, photos et vidéos de l'intégralité des personnes qui étaient présentes, les visages, les placements, et lorsqu'il y a eu les fusillades de tous ceux qui avaient les armes en main, dont mes hommes. Simplement pour ma protection, aucun de mes hommes n'a tiré. Comme il s'agissait de votre événement, j'imagine que vous êtes déjà en recherche de ces photos afin qu'elles ne soient pas diffusées. Bah, on va essayer de faire ça rapidement, hein. Je vous remercie, Seigneur. Je vous bonne soirée. Bonne soirée. Il a l'air d'être colère contre nous. Tout ça parce qu'on a découpé Jésus. On va aller boire un coup à la mémoire d'Aïsti. Seigneur Diouf. Oui, monsieur Miguel. Du coup, j'ai vu avec le Weasel là, qui était sur place. Il y a eu une seule photo qui a été prise. C'est celle qui est parue sur l'article. Et je lui dis que s'il recevait n'importe quelle autre photo, il avait interdiction de les diffuser. C'est bien, impeccable. Voilà, donc c'est carré, c'est fait. Merci, Seigneur Diouf, bonne soirée. Pas de problème de même. Il vous faut quelque chose, monsieur là? On va prendre une tournée complète. Vous prenez un truc. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il prenait, Pablo? J'ai pas entendu. Du rhum. Mettez. Commandez tout ce que vous voulez. Oh, c'est dommage, j'ai pas le Glorio, le toilette du Black Cat. Mais pourquoi tu vas absolument mettre ta bite dans un trou de l'amour? Bah, pour le fun. Oui, d'accord, pour les fun, oui, c'est sûr que c'est vu comme ça.
Et c'est à qui que je fais la douloureuse du coup? À moi. Je m'en occupe, Blémy. Ok. Ah, d'accord. Alors il me faudrait une nuit, s'il vous plaît. Et Robert? Robert? Le prénom Robert et nom de famille U. Peut-être que les verts sont toujours bannis du Black Cat. Peut-être moyen. Ils ont le con, ils envoient quelqu'un qu'ils connaissent pas pour aller chercher à manger? Je sais pas s'ils ont essayé de se démerder. En tout cas, ils sont toujours bannis du Black Cat. Qu'est-ce qu'on organise pour FT? Je sens que vous avez tous été déçus par son attitude. Ça n'empêche que c'était l'un d'entre nous. Yeah. Et qu'à ce titre, on va rapatrier et on va lui offrir un enterrement digne de ce nom la semaine prochaine. C'est aussi un moment de marquer les... là où on va et qui on est. Mais il y a un connard qui a jeté une clope là-dedans, quoi. Sérieux, c'est de la terre, c'est pas une... Putain, les connards. C'est le toi, Hannibal. C'est... Hannibal, t'as jeté ta clope dans les pots de merde? Non, je l'ai jeté sur le tapis. Sur le tapis, vous n'êtes pas possible. Le pot était trop loin. Peut-être le pot c'était moi la dernière fois, je sais pas. À chaque fois, mais tu fumes dedans? C'est qui fume dedans? C'est moi, un problème. Ah bah oui, faut pas. J'espère que t'écrases tes clopes dans les sonneries qui se prouvent bien, c'est des filles. Bah non, regarde, j'ai écrasé sur le tapis. Mais oui? Mais t'es un connard! C'est toi qui fais le ménage? Non, c'est toi, gros. Ah ouais, mais moi aussi je vais venir chez toi et je vais foutre le bordel, quand même, c'est salaud ça. Ah bah c'est déjà le bordel chez moi. Ah ouais? Ah oui, d'accord. C'est une déchetterie chez Hannibal, on sait pas comment il fait, mais. Ah oui, d'accord. Ça ressemble à rien. Le gorge. Bon, c'est le fleuve le plus vénéré de la planète. C'est pas grave. Je lui dis de faire le ménage. Vous voulez pas passer pour l'aider à faire comme les émissions? C'est tout propre. Je suis pas une dame de ménage. Il y a que ma chambre où c'est propre. Des belles bâches. Sérieux? Des bons plateaux en argent. Une belle table blanche. Des scalpels. Si, c'est bien ça. Ah, c'est l'argent, c'est pour... C'est pour jouer à Docteur Mavo là. Exactement. Quand tu touches les bords, ça sonne. Hein, nique, hein. Elle est parfaite! Elle est géniale! Attends. Vous voulez me faire une? Non, non, c'est bon, je l'ai. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai une voiture à vendre, moi, ce soir peut-être. Nom de Dieu, je vais devoir aller abattre une policier pour qu'il vienne. Bon, je vais demander parce qu'à un moment donné, on va pas y passer la soirée quand même. Merde. On va faire un petit échange de véhicules. Ok, pas de soucis. J'entends personne d'autre, par contre, je sais pas si c'est logique. C'est que j'ai pas les pains. Ah oui, mais d'accord. La soirée est compliquée, elle est longue. Ah je oui, suis comme sûr. Vous il y a quelques jours. Vous savez, les jours où j'ai mis mon couteau dans les bites du shérif. Non, vous allez pas revenir là-dessus. Non, mais si j'ai à un moment donné, j'adore raconter cette histoire des petits cochons. C'est comme les trois petits cochons version BCSO. Voilà. Vous avez mis le couteau dans. D'accord. Ouais, non, on va. J'ai lui fait une promesse au shérif, vous savez, monsieur Balthazar. Ouais. J'ai dit à son adjoint. Ouais. Seigneur, quel est. Comment allez-vous? À toutes. Bah écoutez, bon, on fait aller vous-même. Hein. Écoutez, ça non, va. Non, c'est Pablo. Une soirée un peu longue, compliquée, fatigante, mais écoutez, je pense qu'on est bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. Ah bah, je vous le souhaite. Hein. Vous avez vu votre collègue, seigneur Rousseau? Rousseau? Arasso? J'ai croisé hier soir, oui. Ah, j'étais obligé de lui raconter une petite histoire parce que seigneur Rousseau, il est comme vous. Il ne souhaite pas vendre sa commoda, ce qui en soi, je l'entends, c'est pas un souci. D'accord. Mais. Contrairement à vous qui dit simplement je ne la vends pas, lui a décidé de nous prendre pour des idiots et de tenter de nous faire de l'extorsion. Rigolo pour un policier. Ouais, il s'est mal pris. Et s'est commencé à faire une espèce de je la vends à partir des 500 000, etc., etc., etc. J'ai donc dû lui raconter une jolie histoire, les trois petits cochons modernes. Bon, est-ce que vous savez si le seigneur Rousseau a au moins compris l'histoire? Je pense. Clairement. Ah, tant mieux. Mais nous, alors. Comment dire hein. Je vais pas chercher forcément à le défendre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit chat? Non, mais Natacha, elle est plus. Ah non, c'est pas assez bon, c'est pas mon petit chat! Oh là 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 là! J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais c'est une dinguerie! Monsieur Hunter, je vais pas vous retenir plus longtemps, c'est pas moi. Mais oui, c'est pas. Je me dis, c'est une doublure de mon petit chat qui s'est passé! Non, mais elle a pas la même couleur de cheveux quand même! Non, mais je sais pas, je l'ai quand même appelée plus. Elle me regarde plus. Elle regarde d'autres hommes aussi, donc de ces fêtes-là, je suis un peu triste. Ah ouais, d'accord. Vous parlez de qui? De celle qui est en fauteuil roulant ou de l'autre? Non, de l'autre, les Natacha. C'est qui? Oui, l'autre, ça fait quelques temps. Mon petit sucre à mousse, les Lucie.
Elle est volage. Monsieur Holden, vous voulez qu'on vous aide? Et les zones étaient volage. Je sais pas, vous faites quoi là? Ah. Holden, il est. Holden, il est malin, il tente des plans, les plaques des autres véhicules. Oh, la prochaine fois, on vous met les. Je sais pas pourquoi, je suis sûr qu'il suffirait de vous les demander. J-Commoda, bah, oui. Et okay. On vous met dans la tête. Il est malin, Holden, il est malin. C'est pas les moins cons quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il est lieutenant. Et enfin, j'espère. Hein. Qu'est-ce que vous foutez en fauteuil volant et en tenue? Elle fait une. Elle fait l'accueil et elle fait une formation capitaine. Vous vous sauvez, j'arrive. D'accord, mais vous avez. Lentement. Non, mais c'est sûrement. Oui. Ouais, ça allait être compliqué quand même. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pablo, il l'a pas la plaque. Bon, histoire de mon moto qui s'est fini en double fracture de la hanche avec des blablablements. Et pourquoi vous blablablez comme ça? C'est toujours comme ça ou c'est que quand vous me voyez? Oui, mais oui, c'est. Ah, c'est tout le temps comme ça? Ah, je tiens à m'excuser. Profondément. Oui, il n'y a pas de soucis. Parce que des fois, les gens ils parlent comme ça quand ils me voient. Je ne sais plus si c'est tout le temps ou que. Vous voyez. Ah, d'accord. Oui. Le cadre est rarement le même. Hein. Les cadres sont rarement les mêmes. Là, je suis plutôt sympathique, des bonnes compositions, tout va bien. Ah oui, d'accord, oui. J'ai une. Parti sur votre 21, joueur. Mon petit petit. Non, je m'en habille des. 94 AZU 406. Mon psychiatre, il dit qu'il faut que j'arrête de m'emporter. Il faut que je sache être à l'écoute des gens. Faire de la méditation, monsieur Rodriguez. J'ai fait beaucoup de méditation. C'est trop bien la méditation. Mais. À éviter sur les véhicules. Hein. Oui, pourquoi? N'est-ce pas? Mon psychiatre, il dit qu'il faut que j'arrête de pousser ma frustration dans le fait de découper des gens, de leur provoquer des chocs énormes afin de moi me contenter d'aller mieux. Achetez-vous un peu de chibol, ça ira plus vite. Comme il a compté beaucoup de mails, ce psychiatre, j'ai dû mettre fin à nos visites. Je vais pas encore raconter l'histoire du petit cochon, on va dire que maintenant, sinon. Ça n'a plus de charme. Vous avez soufflé très fort et il est parti loin. Je vais vous la raconter alors. On l'a soufflé par coupé. Bon. C'était les loups qui étaient sous les bords de la route et discutaient avec trois petits cochons du BCSO. Mm. Les Riri, les Fifi, les Loulous. Dedans, il y avait une shérif, une cochon grande gueule et une cochon stagiaire. Les cochons grande gueule n'ont pas arrêté de s'énerver. Gna 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 gna, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. J'ai donc dit à un moment donné à ces cochons farceurs, si continuez d'être mal polis, je descendais de mon 4x4, je prenais mon couteau et j'ai tranché le saucisson. Il a donc rigolé et m'a dit qu'est-ce que j'allais faire. Je suis donc descendu de mon 4x4, j'ai pris mon couteau, je l'ai planté dans les bidets et j'ai monté. Ça n'est suivi que les cochons shérifs, lui, a mis la main sur l'arme de service. J'ai donc dû faire une petite pas chassée, planter mon couteau et monter. C'est là que le troisième petit cochon est arrivé. Les cochons stagiaires, arme à la main. Excusez-moi. Et là, il m'a dit, posez vos... Monsieur Popo. J'ai dit de se calmer, de souffler. Il n'a pas voulu souffler, j'ai dû m'en occuper. La moralité de cette histoire, c'est que les gens qui sont mal polis, les petits cochons, ça reste des cochons, c'est de la charcutaille. Et la charcutaille, on s'en occupe avec un couteau à saucisson. Il faut juste comprendre que vous êtes ouvert à la discussion et qu'il faut arrêter de foutre de la gueule les uns les autres. Enfin, quelqu'un qui a compris la morale de l'histoire. C'est pas la première fois qu'on en discute et qu'on en vient à la même conclusion. Si on discute calmement, il n'y a pas de raison que ça tourne mal, en fait. Je vous souhaite une bonne soirée, si tout est prêt. Ah, impeccable. Les copains, on va chasser vite et fait, excusez-moi. La bonne soirée, monsieur Miguel, monsieur Pablo, bonne soirée à vous. La bonne soirée. La bonne soirée.